Coucou, je vous retrouve pour vous faire un petit unboxing d'une box d'Halloween que j'ai commandée chez Une Maille à la fois. Donc voilà la petite carte. Avec un peu de retard et des surprises, amitié, laineuse, Pauline. J'arrivais pas à lire le laineuse. Donc, oui, effectivement, un peu de retard parce que je sais pas ce qu'il y a eu, mais on est le 20 novembre et je reçois seulement la box d'Halloween. Il a fallu que j'envoie des petits messages à Stéphanie, je crois, qui gère, pour lui dire que, en fait, je l'attendais dans le calendrier de l'Avent. Et quand j'ai reçu le calendrier de l'Avent, j'ai ouvert voir pour prendre la box d'Halloween et elle n'y était pas. Donc j'ai renvoyé un message et elle m'a dit désolée, on t'envoie ça tout de suite. Donc j'ouvre bien sûr en compagnie de Saphir. Alors, tout d'abord, on a des mini Woolly Merinos, donc laine à chaussettes, qui sont, j'adore la couleur, c'est un très très beau violet. Regarde Claudette, ça va te plaire ça. Du beau violet comme ça, il est très très beau. Alors je sais pas encore ce que je vais faire avec, on verra bien. Peut-être une paire de chaussettes d'Halloween pour l'année prochaine, je ne sais pas. Ensuite, on a des petits anneaux marqueurs. Donc, des anneaux marqueurs ampoule, mais aussi avec breloque. En fait, au lieu que ce soit un anneau, c'est une ampoule. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un petit thé. Thé au vin de glace à l'érable. Voilà. Ensuite, on a des petits biscuits. Biscuits crémeux à l'érable. J'ai jamais goûté de sirop d'érable, donc on a deux biscuits fourrés en fait. Voilà. J'ai jamais goûté le sirop d'érable, donc les copines québécoises José, Vicky, Alice, coucou. Je pense fort à vous. Et alors, et ensuite, un gros paquet. Donc, je pense que ça, c'est la box Halloween. Et si, comme elle m'a dit, et des surprises, je pense que le reste, c'est en plus pour le retard. Vu que c'était pas. Donc, on a un monsieur qui fait peur, là. Donc, je vais vite lui couper la tête en deux. Hop! Voilà, il fait plus peur. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oh, il y a de la laine. Alors, déjà, j'essaye de prendre sans tout casser. On a des bonbons d'Halloween. On a. Oh, ça c'est joli ça. Des petits anneaux marqueurs. Oula, ça. Oh, ça fait peur. Alors, on les voit pas tous. Il faudrait que je les ouvre. Désolée pour le bruit. Ah, ça descend pas. Il se sort. Bon, on continue 2 secondes. Parce que, une main, ce n'est pas facile. Voilà, on vous reprend. Donc, on a un petit chapeau de sorcière, une tête de mort, on a une citrouille qui fait peur, on a un petit fantôme, une toile d'araignée. Voilà. Ensuite, j'essaie de prendre la laine en dernier. Oh, un petit carnet. Oh, j'adore tout ce qui est papeterie.
un petit carnet donc pour écrire des petites choses à l'intérieur. Donc avec des décorations, une jolie petite araignée. Ensuite, on a deux petits stickers qui brillent. Celui-là, il est trop mignon, j'adore. Voilà. Ensuite, on a... Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, trop bien! Un crayon de papier! Trop bien, je vais pouvoir écrire dans mon petit carnet avec. J'adore. En plus, il est tout violet, il est trop beau. Tout est assorti au mini. Alors, on passe à la laine parce que je crois qu'il n'y a plus rien d'autre. Waouh! Un joli rose pipette. Oh là là, regardez ces deux-là ensemble, comme c'est beau. Waouh, j'adore. Donc c'est pareil, hein, ouais, c'est de la laine à chaussettes. Ensuite, on a un deuxième rose. Ah, c'est cool, je vais pouvoir faire des chaussettes. Hein. Comme si j'en manquais. Et ensuite, donc, on a un gros échevaux. Waouh! Ça flashouille. Donc, on a du vert, du rose, du orange, du violet, du orange. Bah ça va faire une paire de chaussettes, hein. Voire deux, puisqu'il y a 100 grammes, hein. Surprise. Alors, c'est de la... donc, une maille à la fois. En fait, ils ont de la laine à chaussettes sans nylon. En fait, c'est une autre sorte de polymère qui est biodégradable en 5 ans. Alors que le nylon, je crois que c'est 12 ans. Ou plus même. Voilà, donc c'est un peu plus écologique que du nylon. Alors c'est quand même du polymère, mais il se dégrade plus vite. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi c'est écrit surprise. Est-ce que c'est ça que j'ai en plus en surprise? Je pense pas, hein. Je pense que ça c'est... Ou alors c'est le coloris surprise. Ah peut-être le coloris surprise. Voilà. Rien d'autre. Voilà, donc je vous remontre. Alors, je pense que ce que j'ai eu en plus, c'est les écheveaux violets. Voilà. Des petits gâteaux, un petit carnet, un petit crayon, des autocollants, des marqueurs. Et une minette. Coucou la minette. Elle voudrait bien rentrer dans le paquet, elle. Voilà. À bientôt.